Partager bas sujet et puis bah, information nous sommes allés la place publique les lots na carte république démocratique du Congo congolais nous sommes ici à Zwami a commis tout na mboka et allé coquer n'engeni ni biso na carte ya émission les lots donc au tali sabino l'olenge kani mboka eko tambola économiquement politiquement sécuritairement l'olengeni ni mboka na biso allé quoi avancer tout éviter tout na période ya maponami mboka et allé bouger et allé à koningana partout pour te les lots oyo Congolais nous sommes engagés à y aller. Situation les collègues en Amboka naie. Les lots que partagez, barre tombé ni ni Ezali Sima ya Bokendi ya président de la République. Mon Amboka Félix Antoine Tshisekedi na ngambo ya Amboka Chine. Les lots oyo Sima na Amboka Zongi. Barre tombé ni Ezali Sima ya voyage naie. Congo na biso bénéficier na nini? Te yoka ki ba tunenge balobaki que le président akeyi na commune akeyi na délégation et belé a dépensé bon à trésor public et sukoyo toko Bah, le Congo a gagné quoi après ses déplacements en Chine du chef de l'État. Nous sommes dans quatre émissions ambitieuses. Les autres Koyeba yango, Tokoyeba peut bah partenariat signé, bah mémorandum. Nous sommes allés signer impact. Nous sommes allés nini. Na quatre y a vie économique, na quatre y a bah secteur. Nous allés qu'au faire vivre République. Impact. Nous sommes allés nini. Bon, on touche au Kabola. Ils sont super situation sécuritaire. Le lendemain, Kani bah RDF M23 bah salit coalition pour que bah attaquer Goma. Bako isa goma lelo oyo situation sécuritaire toko mina niveau nini nyonso wana toko yeba yango na kati émission ya biso ya lelo bongo biskou ya mukie o toko memela bino lelo ezali nungu nungu euti ko bima kala mingi awa te information e koleli biso awa sur budget ya mboka na biso ezali na niveau nini etani ni critique ou bien budget oke ne malamu nyonso wana toko yeba yango na kati ya émission na biso ya lelo bongo esengo ya koyamba mwana mboka oyo tobengaka l'économiste oyo ezali oyo ako sa la fierté na kati ya République démocratique du Congo et à travers expertise na ye ne ko sa la ete lelo mboka oyo même à niveau économiquement mboka na biso ekoka ko konté na ba din fils oyo bazali ko sa la expertise ya malamu na kati ya mboka na biso ebonge ezali mwana mboka Gustave Chibangu ye na ye toko partager ba actualité nyonso oyo ezali na esengo ko se tourner vers ye ako pesa ye mbote mbote mwana mboka. Mbote ndeko journaliste Olivier. Nabandi ete lelo encore to kutani na yo parce que situation ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo et sengaki ete yo zala pour que to meka un peu ko partager ba congolais ba yeba situation oyo koleka après voyage ya mokonzi mboka na ngambo ya Chine lelo oyo qu'est-ce que la République démocratique du Congo a causé la ko gagner to a gagner na kati ya voyage oyo mokonzi mboka sala ki na Chine. Merci moi namboka Olivier d'abord na ko banda ko féliciter d'abord yo parce que ba émission ya boye et ali mingi na kati ya mboka na bisoté ko ali jeune netingai na ali ko féliciter yo na initiative oyo et c'est comme ça que na répondre ka toujours présent na ba invitation na yo pour na to meka ko partager na ba ndeko nyonso ici ka bazali na Congo mobimba parce que to constater que tango makambo ya mboka ya liko lobama c'est comme si makambo ango esengeli batu moko boyi ya likolo to akobenga bango batu ya likolo alors que batu ya likolo wana bayali batu ya likolo parce que biso batu ya se to pesi bango pouvoir po bakoma likolo yango na ko féliciter yo po na émission initiative o ko sala voyage ya mokonzi ya mboka na Chine. Et Ali, moi, je critique et Ali. Moi, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Moi voyage wana conteni nango voyage wana président kendaki ko sala nini voilà et loko to kolobana no ya liboso esengeli ba kongomani ba yeba voyage ya mokonzi ya mboka na Chine et ali ko kota na cadre diplomatique depuis mokonzi ya mboka tango akoti
na pouvoir parmi babiloko oyo ayebisaki bato ya mboka eza kozongisa République démocratique du Congo na concert ya ba nation esengeli Congo oyo alongwaki quand même na kati ya concert ya ba nation azonga et pona kozonga esengeli oyo to akobenga diplomatie asali mwa ba voyage na ba mboka ebele États-Unis oyo eza puissance mondiale ya munene président ayalaki déjà mais Chine et alipe deuxième puissance au niveau mondial après les États-Unis yango initiative nanu ya voyage ba kongomani il faut ba retenir c'est que voyage au mokonzambo ka kei na Chine et ali ye muntu akeko solliciter voyage te po akinde na Chine a dépassé mbongo ya ya l'état te et ali Chine muntu est sollicité au travers président na bango o ba ko benga Xi Jinping ye muntu a sollicité a koloba mokonzambo ka Félix Tshisekedi yaka na mboka na ngai a invité ye invitation to akobenga visite d'état et ali visite moko oyo ya pambala pambala te que président akei kaka pamba akei apesa nimbote nan moninga na ye et puis azongi te et ali visite wa ba akobenga visite d'état et ali nanu e la ki sa na niveau mondial à part biso to akosala ba commentaire awa na kati ya mboka na niveau mondial ba puissance mondiale nyonso ba ko analyser voyage wana ponanin il faut retenir que Chine na biso to yali presque na moins similarité to yali presque na ba culture ndenge moko to yali pe na espace munene en terme pe ya population biso to yali na plus de 120 millions de personnes na kati ya mboka mais Chine a ali na 1 milliard 400 000 personnes elingi koloba population mobimba ya Afrique 54 pays ya Afrique toi ko kuta yango na Chine kak et puis spécificité mususu entre Congo na Chine et alinin Chine ali mboka moko o ali na 9 voisins na 10 voisins République démocratique du Congo a ko ya na deuxième position na niveau mondial o ali na 9 voisins ça veut dire makambo biso toi ko mona par exemple makambo toi ko benga insécurité bango pe na niveau na bango en tant que ba chinois 10 voisins ba kokaki pe ko vivre makambo oyo ba viva pe yango mais ba surmonta yango po ba yali mboka oyo ba institution e vanda et a kosala que biso similarité wana entre ba mboka na biso invitation tango eye po na mokonza mboka par rapport également na position oyo RDC ali ko kipe au niveau international par rapport na ba ressources ba potentialité oyo biso to lobaka République démocratique du Congo et ali pays moko oya béni et aline ti mwasi ya kitoko mwasi ya kitoko ba ko lula e na niveau mondial mutu nyonso alingi aya sokwa ko mona batu nyonso e a États-Unis e a la Allemagne e a la France e a la batu balingaka ko ya e pa mwasi ya kitoko ya ali Congo parce que Congo yepe esengeli aye ba ki ali kitoko esengeli ayi amiyeba azwa soin na ye yango mokonza mboka andimaki invitation wana ya ndeko na ye Xi Jinping akei tango ako kende eloko nanu ya liboso o esali que esengeli président pe a répondre na invitation wana et ali contrat o to ako benga contrat chinois voilà contrat sino congolais contrat sino congolais wana ya linini et ali contrat o mokonza mboka akutaki tango aye ye aye na 2019 après départ ya Joseph Kabila. Joseph Kabila tango akota ki pe na bokonzi na 2001 ti to komi na 2000 après l'élection ya 2006 na 2008 ye a signé contrat na ba entreprise chinoise et sengeli pe to précisa ke loko wana ezalina gouvernement chinois te ezalina ba privé et alaki na ba entreprise chinoise. Bien sûr que ce sont des entreprises auto akobenga ba entreprise ya l'état na kati ya mboka na bango mais contrat ya la ki signé entre état chinois na état congolais te donc ezali et contrat chinois est signé entre état et privé état na privé en état réalité. Et état en état te état en état te ouais. Et ali état congolais na ba entreprise ça veut dire GEC groupe
d'entreprises chinoises nde bayaki to signé na bango to akobenga troc troc elingi koloba mbongo yalité na kati wana et ali infrastructure contre minerai infrastructure a elingi koloba nini elingi koloba ba chinois ba kotongela biso banzela ba kotongela biso ba hôpitaux ba kotongela biso ba stade ba aéroport et puis en contrepartie biso to akopesa bango o to akobenga minerai minerai wana e ali minerai moko ya état brut lokola biso na kati ya mboka to ali pe na industrie ya transformation te bango ba chinois ba akozwa minerai wana ba ke na yango na Chine ba ke ko valoriser yango kuna ce qu'on constate o esaleme ya linini contrat wana leki entre état congolais na ba entreprise chinoise wana mais lo lenge contrat elikamaki moi ba kongomani o bazalaki na kati ya négociation basalaki moi buso bebele o IGF a ko benga lelo a ko qualifier yango ke colonisation économique elingi koloba ba entreprise chinoise wana ba dupé biso ba dominé biso contrat ya lakini contrat ya laki évalué au départ na 2008 na valeur ya 6 milliards de dollars donc biso toi coupé sa bango ba minéré ou ils en a valeur ya 6 milliards de dollars bango ba ko zongisa la biso ba infrastructure na montant wana et ali mbongo te ba entreprise wana ba ko tunga ba stade ba tungi biloko maintenant eloko e salemi après ba discussion ba institution internationale ba décrier pe contrat wana ke et ali contrat moko yo et a coupé sa avantage na l'état congolais te et singeli ba bandela yango o quoi na lingaki d'abord toi me quand tu peux expliquer ba congolais sous ba kolanda biso malamu olobi montant o ezala ki évalué en exergue ya ki 6 milliards 6 milliards au départ 6 milliards oyo ezali que montant oyo Chine fo asa oyo biso photo to pesa Chine en terme ya minerai minerai alors to ko pesa to ko arriver na 6 milliards to ko arriver ko calculer 6 milliards en terme minerai aussi longtemps nenge nini aussi longtemps bango bazo bimisa minerai brut et puis ba kayi ko valoriser yango na mboka na bango yango na ko commande ko valorisation wana to ko mona tango IGF ay ko sala banquette na ye ay ko constater que to zalagi penza dupé valeur kutu et les cas qui 6 milliards au toa koloba et lingi koloba nini lokola toa ali na industrie à transformation te ba minerai ali ko kende wapi na Chine na ba entreprise au to signé na bango et loko pe mususu ya ko préciser ezani tango to signé contrat na bango l'état congolais oyo ala ki représenté par Gécamines général des carrières des mines o ya Lubumbashi ya l'état entreprise ya l'état na ba entreprise chinoise ba créer qui société au toi ko benga ces communes tango yo ko yo ka ces communes et outil na entreprise groupe d'entreprises chinoises na Gécamines ba sangane ba créer au to bengi ces communes société wana ces communes nde et ala ki siko ko mettre en œuvre contrat au to signé entre l'état congolais na ba entreprise chinoise siko ces communes wana et ali biso to ala ki na ba part na biso comme entreprise et comme actionnaire bango pe entreprise chinoise balala ki pe na pa mais constat ya lini et ali ke bango batuana balala ki na 68% ya ba pa biso to ala ki na 32 elingi kolobani elingi koloba ke bango balali ko kipe par ya munene na kati ya société o ila créé par rapport na contrat wana maintenant direction ezala ndenge nini o ezali ko sala ete direction ya entreprise ya sikomine ezala ndenge nini non d'après rapport ya IGF et la kisi que direction d'abord ya entreprise et ezala ki congolais te et puis to ba koti lisusu na moi sondage ba kuti ke mutu o ala ki directeur financier makambo etali makambo ya kobimisa mosolo mais aussi kobimisa minerai ko certifier ba minerai wana ko yeba ke to produire minerai pona autant mutu wana ala ki chinois et ala ki congolais te a ko contrôler moi ba donné nyonso ba minerai nyonso ya kobima donc bango nde ba ala ki un peu na makasi na kati ya entreprise wana yango to ko benga ngo colonisation économique maintenant tango entreprise 2021 est commis, président de la République a sengi na IGF a mené quand même enquête
qu'évaluer contrat wana kotala comment il faut tout modifier parce que ba contrat ya limo ibele entre biso RDC na ba chinois ou toi ko qualifier que ba ko dupé biso to revoir quand même moi ba accord mususu o eko ki ko senga ke l'état azala retrouver na ba droit na IGF akei a pesi rapport constat et salemi lokola tozali na 6 milliards to ramena yango après ba discussion na 3 milliards donc biso ba pesi biso biloko o itali 3 milliards bango pe ba dru ressources minières oyo ezana quantité ya 3 milliards cobalt na cuivre ya 3 milliards siko IGF a sali constat après banquette rapport na ye a ko constater que République démocratique du Congo par rapport na biloko ba entreprise ba sali moi banzela entre autres soko tali nzela oto nzela ya sendwe oyo yali awa kaka musika wa ngwalate et kota kipe nakati ya contrat wana boulevard du 30 juin rénovation nangopé et kota kipe nakati kaka ya contrat wana ensemble ya mbongo sali après 15 ans ko banda 2018 ti 2013 et 2023 lelo to yali kaka na 822 millions de dollars oyo ba entreprise chinoise ba meki kopé sa biso mais bango valeur ya mbongo minéré oyo bango ba bimisi minéré wana eali évalué na valeur ya plus ou moins 10 milliards de dollars elingi koloba plus de 1000% oyo bango ba bazui alors que biso en contrepartie tozui kaka 822 millions mais na 822 millions yango Jules Alingé tia ko préciser boy alobi na kati ya 822 millions wana valeur vraiment intrinsèque, valeur réelle et ali 400 millions. Parce que, bah constater que na 4, er ya ba misala, et ala ki na surfacturation, bah kozwa, omo na nzela, par exemple, nzelo e a kokoute biso 3 millions, mais bah ebi si yo nzela wane yali na 63 millions. Donc, surfacturation. La surfacturation, elle a dit vraiment mingi. Oh, tout le monde y était. Dans la surfacturation, on a dit que la surfacturation était. Mais tu as dit que la Nzela, Oyo, et ton amité, notamment Nzela et la route Loutendele, 19 millions et bima à ta centimètre, et mon goût, et ça les maté. Alors, tu as dit que la Nzela, Oyo, y a Sendu. Bah, qu'on s'en a dit, Kolongo Kaka, église, y a pasteur Sonny Kafuta. Ti, et si, quand moi, Mitoukeza, la Kawana, bah, qu'on s'en a 24 milliards et 24 millions. Mon amboka, ils aient une surfacturation, ma casse, mon amboka. Oui, surfacturation, wana, et ça, li kemboka mouta ko perdre. Si qu'on a kati wana, et ali kaka ba chinois de bazaki monte mama bete, et ali pe na bande konabiso, ou ba sunga kimboka te, yango to ako lobanga comme jeune, je me dis, et senge tous à la bana soni na kati amboka oyo, et senge li ba ene na biso, ba zwape courage, yako senga pardon. Il y a qu'on s'excuser na babuzo bo basala na kati ya mboka pas c'est tout ligne changement et loko ya bongo contrat ya bongo eza ko lakisa ke bolingi mboka te yango biso to akoloba esengeli bazala capable ya ko senga pe pardon devant peuple congolais donc yango na akoloba 10 milliards de dollars évalués après 15 ans ba ressources au bango ba bimisi ba entreprise chinoise avec 68% des parts na kati ya sekomi. Mais biso en termes réels, tous les kaka 400 millions. Ce qui te considérer que sur facturation ils allaient quitter 822 millions. Et ali kutu na ba stade où ils ont amité, où ils allaient qui prévu ba stade. Yo a koyeba na katiambo kanabiso potentialité où ils allaient en matière ya talent ou ya football. Ce qui ba stade où ane tonga maki. Et ko sunga jeunesse. Neko sunga jeunesse lelo oyo toko mona ngai na banzi ete lelo mokonza mboka fo atala nanu mwa miso IGF Jules Alingete il faut atala parce que to ebite muta ko pilone muta ko pilone contra one da ki mona mboka Moïse Kanga mais lelo oyo ba surfacturation et salami bambongo mususu e mona nite banzela musu etonga mite mais mokonza mboka
mokonzi ya mboka toko senga na yo tala nanu mwana mboka ndeko na biso Moïse Kanga esengeli a répondre quand même na makaba acte nyoso esalami na kati ya contrat chinois mwana mboka est-ce ezali sous likambo ko bomba te ndeko jila lingete et si oyebi ete Moïse Kanga bilapide mbongo ya mboka na biso procureur ko zelani po instruire dossier mwana mboka Moïse Kanga ye pe asala nzela na ye ya boloko mwana mboka lelo oyo malgré Nyonso et Salami na contrat chinois, Lelo Oyo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a créé les sous Nangambo, ya Chine, pour que Akende, qu'on renoue encore, qu'on reconcilie le contrat à Sika. Est-ce que moi, Namboka, a tali, mbeba ou ezala kite, a baki si sous mbeba, est-ce que zali ko baki sa mabe, li kolay mabe te, moi, Namboka? To lingaki comme congolais nyonso ya lingi mboka na ye esengeli a réfléchir pe bongo comment bato ba ko sala biso mabe mais to akokende lisusu pa na bango basala ki pe biso mabe po na nini parce que to yala ki na bandeko o bazaki complice yango wa ko lo bake esengeli bato musu ba répondre il faut ba expliquer peuple congolais lolenge nini basala ki ba contrat wana donc mokonzi ya mboka Azwa ki idée que malgré ma BO est commis et sengeli toye ba vérité mais na koye ba pe vérité wana ata soki ba kangi mutu na kati ya boloko ezala ko ba benga ka dommage et intérêt soki o sali mutu mbeba et sengeli o dédommager ye yango et sengela ki pe mokonza mboka ala ki sana gouvernement chinois ba preuve o ya ko la ki sake ba entreprise na bino et ya ki kosala buzoba na kati ya mboka na biso en complicité bien sûr na bande ko na biso mususu mais l'état congolais esengeli azonga et na cadre ya coopération président veut na ezala ki coopération gagnant gagnant mais tango ndeko na ye atindeli invitation ndeko na ye apesi agenda agenda ya visite na kati ya agenda wana le président chinois a voulu que coopération au président na biso akobenga gagnant gagnant en matière d'abord ya mine parce que contrat wana ya la ki contrat na makambo ya ba minerai président chinois a akomona ba besoin ya République démocratique du Congo oyo ya lika ka makambo ya minerai te ba raison mususu ezali ba besoin mususu ezali yali ba besoin par exemple na domaine ya éducation ba besoin par exemple na domaine ya numérique ba besoin par exemple na domaine de l'agriculture a watolobela ki la fois passé na yo makambo etali masangu ba besoin na yali mo ebele le président chinois a préféré que coopération oyo biso esengeli to signer lisusu na Chine et ali contrat siko coopération entre ba entreprise chinoise na RDC te mais RDC Chine gouvernement chinois na gouvernement congolais mais oye le kaka e ala ki ba entreprise chinoise na état congolais donc ye a préféré ki coopération wana abenga yango coopération basée sur un partenariat stratégique global ça veut dire eza kaka makambo ya minerai te mais eza na ba secteur presque moi ebele secteur ya éducation secteur ya numérique secteur ya agriculture bure o itali makambo ya carburant. Donc, on a comme on a que coopération et c'est les coopération mon ko oeza global na ba secteur presque nyonso. Yango mon konzamboka, on a comme on a que délégation oeza qui composé pour na ko kende na ye. Eza ki mwa délégation eza ki mwa munene. Est-ce que lelo oyo délégation wana munene ke yi na ngambo ya Chine to kozonga mwa pa mokesima. Mon konzamboka a ki a signé ba partenariat sika na délégation oyo ebele oyo tolobi to bandai ko décrier que e dilapide trésor public pour que na Chine et est-ce que lelo oyo contrat ezala ki contrat chinois oyo ezali na se commune est-ce que e katani to e ko continuer ensemble na ba memorandum ya sika mokonza mboka oti ko signer en fait sur le plan to benga sur le plan diplomatique communication pendant ya ki makasité en matière ya contrat wana mais na kati tango to akomona président chinois akoloba esengeli to redéfinir coopération na biso
esengeli to zwa yango to komisa yango coopération moko globale elingi koloba. Est-ce que bakoki ko réviser loko oyo et ali malam et loko soke ali mabe nde ba ko mona non esengeli to améliorer. Donc le fait seulement ya kondima to longa na coopération to akobenga gagnant to koma na coopération oyo ya coopération basée sur un partenariat stratégique global et lingi koloba République chinoise andimi mabe au entreprise naye basalaki na kati ya mboka ba discussion siko et a ko continuer sur comment ko dédommager République démocratique du Congo mais aussi redéfinir ba clause oyo yali na kati ya contrat wana contrat esengeli continuer. Ce qu'on a quatre et singuliers tout modifié veut la République démocratique du Congo et ali angoana. Par exemple, dans le domaine au Italie, c'est comme inouana. République démocratique du Congo a kosenga que ba part au Italie qui 32% yé azalana ba part kolika entreprise ewana chinoise. Ça veut dire alika Chine na kati y entreprise. Tant au yo y a lipe na part ebele ou y a lipe na contrôle. Na kati entreprise et à la kabongo ce que biso to ala ki na moi par mouke par rapport na ba entreprise donc et ali discussion et ba discussion wana ba expert ba ministre na biso ba ko continuer yango pour que gouvernement chinois au travers ba entreprise na ye ba meka ko dédommager République démocratique du Congo mais continuer aussi ça veut dire ba reconnaître mabe na bango et puis ba offrir biso ba infrastructure wana parce que ba infrastructure wana e ali malamu pona mboka e ali malamu pona peuple soki batongi stade lelo stade wana e ali stade ya Félix Antoine Tshisekedi te e ali stade ya ba jeune e ali stade ya RDC soki batongi port soki batongi donc négociation e ali mabete sur le plan diplomatique mabe komi Chine ali puissance économique ya munene au niveau mondial biso to ali na ba potentialité et que na ba potentialité na biso et sengeli to exploiter yango ba potentialité na biso yali kaka na domaine minier to ali na domaine agricole to ali na jeunesse oyo lelo a ko représenter 70% ya population congolaise et puis une jeunesse ingénieuse créative une jeunesse qui est prête à travailler mais bonne opportunité et alité aussi par exemple na domaine ya numérique lelo musalo yo a ko sala a na komona batunyon so bo entouré na yo et ali ba jeune ba nikoloté et ali pe domaine numérique et singeli coopération échange et expérience entre puissance économique mondiale au toi ko benga Chine wana na biso pour que to meka ko améliorer quand même soit par exemple na domaine numérique RDC tango mokozambo ka azui bokonzi alobi non et singeli to numériser ba service public. Ça veut dire administration à l'État. Oye, yala ki mikanda yali kaka. Nakati yaba bureau mikanda physique. Nda kumoko ezika ki ao. Oye, yomona ki kote ya boulevard ya ministère et économie. To yala ki naba problème naba pétrolier. Ba mikanda nyon son nakati. Eziki. Ezika. Ministre ya finance. Akuma ki. Ako lela. Oye, azayi ko assuré. Intérim. Nicolas Kazag. Ako lo ba dokima ekeyi. To ako ye bate. Ndenge ni ni ba négociation. Et singeli ça les entre biso na ba pétrolier alors que ba pétrolier wana république et ali ko supporter manque à gagner auto ko benga par rapport na prix oyo et singeli ba tuba somba na station plus de 50 millions de dollars par année oyo gouvernement congolais et singeli a foot pour na ke ba prix wana ezala intact mais tango ba mikanda ya bongo eziki alors que service ministère mobimba ya numérique et ali wana pas créé en haut et singelisco ministère wana azwa pe expérience ya ba pays o ba réussi ça neti Chine bongo tout échanger na bango sur le plan infrastructural surtout que ministre na président ba chaki déjà plan o plan de transformation numérique na kati ya mboka o tutika la kozala na ngote ça veut dire que to ali pe na posa que plan wana ezala mise en œuvre mais pour ezala pe mise en œuvre to ali ba to ali bousso na domaine wana te et singeli to mi inspiré et pas bateau ba réussi ça entre autres ba pays neti ba chinois na yango monaki na délégation ministre ya numérique
à la qui n'a qu'à sa délégation. Donc, il y a un peu à Kendagi, à comme ça qui paie moi délégation, moi mon ennemi, à Kendagi, t'es pour la figuration. Bah, raison, et à la qui pour que à Kende, parce que l'élo, domaine est numérique, et copé sa paix misala, à Katia Mboka, à Katia bah, jeune Nabiso, bah, na misala t'es. L'élo, bisoko tout à compenser ensemble, na coach Nangamoko, Alki Tenge, qui a même proposé à l'obit au cause à la carte un ministère. Il y a numérique, t'es. Il faut tous à la peine un ministère, il y a économie numérique. Et réalité, il y a là qui même un recrutement. Tant qu'on va recruter, bah, le ministère de l'économie numérique, et il y a un ministère de numérique, bah, chaki, parmi les bah, critères, et c'est ce qui est le bas, c'est l'économie numérique. Mais on va voir qu'il y a un cas de cannabis. Option. Il y a l'économie numérique. Il y a l'économie numérique. Réalité. Et c'est ce qui est inspiré, dans le pays, dans la Chine, on a. Tu échanges peu d'expérience. Tu comme ipe na, et amusu sous faculté mobile. Il y a domaine, il y a numérique, il y a carte yambok. Donc, on a comme on a que voyage ouana, agenda, et zala qui quand même moi mon aîné, et singela qui délégation, et zala pe moi mon aîné. Mais dans délégation ouana, singeli ba tuba qui ndekola la ba pongite, tu meka qui kolande la, ba discussion dengue yala qui, et yala qui ba discussion bon quoi ya simanda kote, oh ba tuba ko kende ko kanga ba selfie te. L'andela qui pendant 5 jours mokonza mboka na délégation na nyonso et ala qui ba échange moko to mona qui ba échange moko sérieux si ko ba retomber na ngonde eza ba memorandum ndenge ko akopé ça a 5 memorandum eza qui signé na 5 memorandum wana ba domaine yali diversifié ba domaine y agriculture yali domaine y croissance verte yali domaine y ressources naturelles et Ali, domaine numérique au Nauti Koloba, mais aussi coopération entre RTNC na Bissau, Radio-Télévision Nationale Congolaise ou ya Bissau, na chaîne nationale ya Chine, et Sengeli échange ya information ezala. Et donc, on a comme on a que Bissau, tu as la potentialité, tu as la biloko. Et puis je vais rappeler encore et loko moko et ça pour expliquer pourquoi. Président Essengela qui a qu'en de Chine, à part contrat, à part ma potentialité, n'a biso tokotanga yango mbangu ba memorandum ezalaki signé na ngambo bongo ya Chine. Il s'agit notamment des memorandums sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. L'échange et coopération en matière d'information. Et la coopération aussi, le développement de l'économie numérique et les autres. Alors, nous sommes là pour aboutir à ce memorandum. En fait, le memorandum est une obligation pour le gouvernement chinois. Et c'est ce qui est le cas de nous sommes là. Mais il y a une discussion. Ba discussion wana biso to kei na ba besoin ou ya biso bango pe ba ali na ba besoin bango ba ali pays industrialisé ba ali pays où ils a développé ba na posa pe ya matière ango ba kozwa yango wapi na kati ya mboka na biso nazo rappeler aux statistiques moko ba kongoman esengeli ba yeba RDC to lobela kinayo ao structure d'exportation na ye et ali composé principalement la matière première, ça veut dire 97% y a biloko biso toté kakalibanda et ali constitué na ba minéré. Mais na 97% wana 40% y a 100% y a exportation na biso nyon se a ko kende wapi na Chine. Et lingi koloba Chine ali partenaire privilégié. Soki kaka lelo ba entreprise chinoise ba réduire demande na bango. Il y a des minéraux. Biso pe croissance na biso awa ou a tout bien à PIB. A ko kita. Pourquoi? Parce que bango moko ba ko consommer 40% avec exportation ya mboka na biso. Et lingi koloba 40% ya ba devise ou soit ya ba dollar ou to ali na mpe na mboka. Et a ko uta wapi? Na ngambo ya Chine. Mais lelo oyo mona mboka to beta non masolo parce que to moni ndenge nini lo lengekani Chine na bané 10 ans passés
Chine azala ki au moins na retard ya développement lelo aux États-Unis azala ki na 10 ans passé États-Unis azagi makasi to moni si azayi azagi déjà makasi to moni ezagi na mo ba pays azala ki déjà makasi azagi compté parmi ba pays ba zayi ba puissant et ba puissance économique ba puissance même ya armée na kati ya monde mobimba. Chine azala ki au moins na retard pa il y a 10 ans passé. Dans 10 ans après te comment lelo oyo Chine va faire face na États-Unis sur le plan économique, est-ce que la République démocratique du Congo na bisopé na potentialité nous tozali na yango na ba minéraux stratégiques tozali na yango plus de 80% ba minéraux stratégiques au monde d'aller rechercher et vendre la République démocratique du Congo, pourquoi pas le développement de la République, l'émergence de la République tarde encore mon amboka. En fait au lobby penza yango malam. Et puis, c'est que tout rappelé en gros pour les Congolais, ils vont comprendre que Congo a ali moi si kitoko. Congo a ali na ba potentialité, na ba domaine presque nyonso. Cuivre, cobalt, tout ali parmi ba grands producteurs. Lelo oyo na même minéraux ko sala ba batterie, lelo France a outi ko inaugurer ba batterie et ko sala mana lithium, lelo lithium na République démocratique du Congo ezali. Kala mingi te ba batterie pe ezali ko lansame na Lualaba mona mboka. Effectivement, yango to ali ko mi qualifier que to ali pays solution. Pays solution à la fois lelo to a ko loba esengeli to décarboniser monde. Pour décarboniser le bon monde et sengeli lithium oyali na manono manono ya kozala lelo capital ya batterie électrique, mais cela n'est possible qu'au travers un leadership fort, un leadership visionnaire yango toa ko senga. Moi personnellement en tant qu'économiste, c'est ce qui t'ont mis basé au tikoloba awa. Tu kenda ki pe Chine pour nanin. Pour na komi inspiré pe na réussite wana. Et sengeli biso en tant que Congolais ayant des similarités na pays wana et sengeli to mi inspiré. Et je crois na ba reportage to monaki ndenge ba ko expliquer même mon konzamboka histoire ya Chine depuis 1800 et quelques ndenge nini ba longwe ba komi lelo puissance économique mondiale. Na kalato ay koloba soko ke ko sombeloko ba ko bengango au chinois. Yanguanzu. Mais lelo to changea maloba na monde. Nguanzu ezali mais chinois pe ya kitoko e ali. Elingi koloba ba komi kuna mbala moko bongote. Ba jambe ba étape te. Ba elabora ki e parmi précurseurs. Yangwa omona ki président Kendaki akinde komi incliné même devant monima wana ba ko bengaye na Chine Mao Zedong. Et nous ba jeune et sengeli normalement tout landa kapé ba histoire wana to mi inspiraka pour to comprendre que mboka na biso oyo et ali lelo na eta et ali et ala ki d'ailleurs puissance économique na 1960 1970 même niveau il y a développement na Corée du Sud, même niveau de développement avec le Canada na ba chinois na, mais lelo 30 ans après celui qui a impulsé c'est une personne, un individu, un chinois Otobengi Mao Zedong, la français ba bengi Mao Tse-tung. Donc ye nde a tchaki en place vision a kolakisa que à l'horizon de 30 ans, de 40 ans, nga na kozalate, mais na ko poser ba pierre, na ko poser ba fondation, oyo esengeli esala ke dans 30 ans, 40 ans, pays na ngai ekoma puissance économique mondiale. Donc yo a ko mona muto akoti na pouvoir juste après la guerre mondiale 1948, na 1949, Mao Tse-tung a zui bokonzi ya Chine. A sali akoufi na 1976. Mais lelo, ba ako lobelaye, et puis tango ba ako tangi sabana na Chine, moutou yali boso, ou ba ako ye bisabango et yali moutouana. Ba ako lakisaye. Donc, système éducatif, ba ako koti sa mwana ke yo, et sengeli yo mi inspiré na modèle oyo ya papa na biso,
ye mutu a pesa ki impulsion yango akomona ke ba chantier mususu onga na félicitaka entre autres toi ko benga ngo programme de développement local des 145 territoires. Parlons aussi pour, parlons aussi de ça parce que lelo oyo il faut créer ba projet oyo to ko benga ba projet d'état ba projet oyo et qu'on faire développer mboka mobimba et qu'on la tête parce que les autres comme on en République démocratique du Congo il y a des projets oyo régime et ça l'ton régime on est longue régime mousou soyez et longo ni effacer ba projet d'état et même ici ba projet mousou ya sika to moni bongo to yina na régime passé il y a Joseph Kabila to yina 5 chantiers. Lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi ayé na PDL 145 territoires mais 145 territoires et d'ali projet d'état eco développé mboka lobi soki Félix Antoine alongwe na kati ya bokonzi to komona o akoye peso akomema ba projet jusqu'à quand on pourra ici na mboka na biso mettre un projet d'état où chaque président arbanda koye asali pas atiki o muso ayeseli pas atiki jusqu'à mema biso na développement mon mboka ndeko journaliste eza combat o biso to bandi yango na coach o na koye biso ao stratège économiste Alkitenge, où a proposé et puis dans le pays presque nions, soit par exemple dans Côte d'Ivoire, bah qu'on y bissa yo, que bah il y a plan stratégique de développement. Et l'ini koloba même na Chine tant qu'on a qu'on y bissa yo, que horizon, er mao ache vision, a leader ache vision, ami mona kite, ya mona ki Chine, ya 40 ans, ya 30 ans après yé, wa komona. Donc, ba leader na biso esengeli bazala ba leader moko visionnaire. Ba monaka mabumu na bango ya leloté. Tango ako monter projet esengeli ndengo lobi projet d'état. Mais ici les projets sont repris na kati ya plan. Yango to ako proposer ensemble na coach to ako loba biso to bandi combat. Esengeli même ba député, c'est le moment. Plan Moko et aller élaborer au Toako Benga Plan National Stratégique de Développement, PNSD, 2019-2023. Et Ako aussi la AO, en 2023. Et Sengeli ba réflexion sérieuse et bamba. Et puis visite et à président na Chine et aller pe occasion. Il y a tout profiter tant que tu as na plan na biso. Tu as ko définir ba projection. Tu as ko définir développement na biso dans 10 ans. 20 ans, 30 ans, et les stratèges ont démontré que plan stratégique de développement est copié qu'on a la plan il y a 50 ans, et copié qu'on a la plan encore rattaché à l'individu, à la président de la République, à la ministre, à la gouvernement, ça m'a un, ça m'a deux. Non, les plans stratégiques nationaux de développement doivent être rattachés à l'État. Et l'État, c'est la continuité. Le col est à une continuité. Et l'ingi koloba moutounion soit à Koya. Yé a commis inscrire. Atali. Plan et lobinini. Na domaine ya numérique. Et sengeli to salanin. Et sengeli to salaboye boye. Ce qu'au plan wana, et sengeli to salanin. Yango dengeni. Et sengeli dans la plan moko participatif. Donc, rédaction nango, c'est une rédaction participative. Un plan qui va intégrer principalement d'abord les scientifiques. Les scientifiques, pourquoi? Parce que les scientifiques sont indépendants. Indépendants, bangonde ba coupé sa penza ba sali diagnostic ya malamu parce que plan ba sala kango ka pambate ya lika kan ya neti médecine dengue na ebisa ki la fois passé a to sali diagnostic ya kitoko et puis to proposer to lobby dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis les experts stratèges ont démontré que pour na durée à conformer batu minimum ya li 15 ans. Ça veut dire bo formé bo zimwana ou ya na 6e ou ça ta na première année primaire bo bani ko formé après 15 ans a komi utile na société pour ameka ko apporter un plus na kati ya société. Donc wa ko mona ke plan stratégique wana esengeli l'état gouvernement a la wana ba acteur ya gouvernement ba acteur ya société civile ba ya la wana ba scientifique. Oh, bah, il faut essayer les acteurs principaux, bah, à la wana, mais aussi bah, partenaires techniques et financiers, bah, qui quoi accompagner Bissot sur le plan technique, mais aussi peut-être sur le plan financier. To élaborer plan wana, oh, toi, ko benga plan national stratégique de développement, inscrit dans les longs termes, inscrit dans les temps,
dans les 30-40 prochaines années, ndenge ba pays neti ba Chine ba sala. Yango ko a komona lelo, Chine a komi grand producteur, a ali ko nourrir plus de 1 400 000 mabumu. Et ça blague te, elingi ko loba agriculture e ali kuna. Et ali agriculture obisu esengeli to mi inspiré. Yango ko a komona to proposer que plan national stratégique de développement wana esengeli eza la loi. Loi elingi ko loba nini. Ndenge ba votaka budget plan stratégique et salemi to memi yango na assemblée nationale. Assemblée nationale a validé yango, président de la République a promulgué et commis loi. Yo okoki ko changer yango te. Oyé oyali mokonza mboka, oyé oyali gouvernement, oyali komi inscrit na kati ya plan national de développement. C'est comme ça de to kokoma Chine ya lobby. C'est comme ça de Tokokoma, États-Unis à lobby. Et je vais rappeler une expression, il y a Africain mon con, Frank Fanon, ou à l'oba, à lobby, l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette de ces revolvers se trouve en Afrique. Et l'ingi koloba, Afrique est allée en forme et en mundouki. Ce que gâchette est au final, pour la gobimisalisasi, et allée en Katia Congo. Mukolo yo Congo akomata. Mukolo yo Congo akofongwama. Yo za la développement ya Afrique. Développement siko ya Afrique. Et ali soni makasi wa komona ba ko yebisabiso Turquie Afrique. Wana be expression France Afrique. Ba ko considérer Afrique comme pays. Donc tango Afrique a ko kende na kati ya négociation au niveau international, Afrique a ko kende ye moko comme pays. Ma ali continent mobimba avec 55 états. Wa komona soni ponani parce que gâchette et lali locomotive ana pongi et singeli ya lamuka et na ko lamuka wana c'est au travers ba coopération neti ba coopération otomoni wana c'est une très très bonne avancée un très bon début ya kokende na Chine parce qu'ils appellent message au niveau international koyamba un chef de l'état congolais n'a pas dimension wana une visite d'état et ningi koloba to ali ko représenter espoir ya monde lelo surtout avec le réchauffement climatique avec notre lithium nous avons une puissance une potentialité pour que to meka ko s'imposer à l'international mais on ne peut le faire que s'il y a un leadership visionnaire. Et s'il y a en place un plan national stratégique de développement inscrit dans les longs termes de plus de 30 ans, 40 ans, dans lesquels les gens ne viendront pas s'amuser, faire des projets, leur fonds de commerce. Les lots, bah, projet, et comment les lots, fonds de commerce et abattu. Voilà comment on a. Pour nani, parce que tu as un plan mon côté, ou il y a inscrit dans les temps. Oyo yali loi elingi koloba yo soko meki ko kende mupanzi ya loi ba ko sanctionner yo yango biso to ko senga que plan stratégique ba réflexion sur la mise en place du plan national stratégique de développement inscrit dans les longs termes esengeli ebanda et esengeli ezala na un processus inclusif et nous en tant que jeunes o to lingi mboka nous sommes prêts à pouvoir accompagner la rédaction de ce plan national stratégique de développement. Nous pouvons apporter notre intelligence, nos connaissances, notre expertise pour la rédaction de ce plan, ensemble avec tous les autres acteurs de la société civile, du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers, il y a la République démocratique du Congo. Voilà, mon Mboka, Nabandi était... L'émission est allée très intéressante parce que les lots Oyo... téléspectateurs bako landa lelo ba susu pe na bandi ete sika bazali bako loba ah mais potentialité ezali na mboka oyo mayele ezali na mboka oyo lelo oyo chef de l'état na bandi ete congolais télévision kotaka tina présidence kotaka partout na bandi ete conseiller ya chef de l'état en matière de l'économie na bandi ete ministre notre VPM Vital Kamerhe na bandi ete ba sous nyonso na bandi ete
mboka na biso na ba expert mboka na biso na mayele esengeli to pesa pe mato ina ba oyo ba kotia mayele na bango pour que mboka na biso etumbwama na bandi ete monsieur Guy Gustave mayele oyo et qu'on sera toujours utilisé pour la République démocratique du Congo na biso mais na kota la lolenge kani lelo oyo président de la République toko benga yango lokola a tourner mon Congo na ba impérialiste. Tebi bongo bato bazali na kati ya Conseil de sécurité des Nations Unies, France, Grande-Bretagne, États-Unis. Oyo tebi bongo bazali ba partenaire privilégié ya République démocratique du Congo. Mais lelo président Félix Antoine Tshisekedi a tourné bango mo Congo, a katisi na ngambo ya ba ya Chine, oyo lelo ko eko faire face na États-Unis sur le plan économique. Kalamingi te awa déjà Russie en a ko proposé République démocratique du Congo, kalamingi te visite d'état encore na Russie. Alors, nyonso wana eko bangisa te sur le plan politique et sécuritaire ya mboka na biso ko tourner les dos na ba impérialiste eko katisa na ngambo mosusu. Ezali na ezali na mwa bo bangite na kati wana tolika moko o ba impérialiste pe bako ko sala te mona mboka ndeko na ko répondre yo ke esengeli to bangate Congo ali mwasi kitoko e mwasi kitoko mutu nyonso akucha ye misu akutala ye esengeli ye pe a la stratège c'est comme ça to akoloba ke esengeli to zala na plan national stratégique ya développement. Na kati ya plan wana biso to kangeli mutu nzela te République démocratique du Congo ya li pays moko hospitalier to fongwa mi na mutu nyonso to lingite to zalakaka to ali na ba occidentaux to boyi ba chinois alors que ba chinois wana ba ali ba partenaire na biso réel 40% ba exportation na biso ako kende na Chine yo ko boya bango. Biso to ali na potentialité et sengeli ce qu'on définir agenda ou ya biso muto a komona ke ali prêt ya koya ko accompagner République démocratique du Congo na développement na ye aye ba porte ali ouverte to kangeli mutu porte te yango nga na félicitaka en un moment comportement ya mokonzi mboka. Moko, toi, comment on est Ali na mututé. Ali na mututé, c'est en fonction également ya beauté ya mboka na ye. Soki lelo, Chine, alobia ako accompagné biso, na domaine songolo. Ali na expertise na domaine wana. Toko boya ye, parce que boksidanto ba yali. Na kope sa yo exemple. Monde yala ki na de camps. Toi, ali na ba communiste. Toi, ali pe. Na ba capitaliste. Ba capitaliste pour na bango yali démocratie, liberté na kati économie donc mutu c'est la propriété privée. OK pa ba communiste bango ba ko yebisa yo bango propriété privée té. Et lo ko nyonso singele ça les mesengel ça les ma de manière commune entreprise eza entreprise ya biso nyonso et ala entreprise privée té. Mais et pe ki sa kité na kati wana to yala na bao ba to ako benga ba sociodémocrate ba to o bango ba yali à la fois moi communiste ezali mais à la fois moi capitalisme ezali donc par rapport na situation géostratégique na biso to ko boyela mutu te mais to ko permettre pe mutu aya ko dominer biso te aya ko monela biso yango moni que tant que Chine a moné libiso, mon conseil a constaté dans le contrat chinois que Badjupa Kibiso a accueilli vers Bango, président de la République Azaki aux États-Unis, à Sakutanana de Konaye, Joe Biden, ce qui est le cas de Sakutanina Xi Jinping, et il y a eu le bâti que Biso Tokogi Soussouko vivre était. Non, c'est par rapport à ba problème au Yabiso. Muto ya koki ko apporter biso solution soka ali occidentaux soki ali muto ya za na Chine soka ali russe akoki ko apporter biso solution par rapport na besoin na biso mais tout en respectant les lois et les règlements de la République il est le bienvenu na kati ya mboka ya République démocratique du Congo. Voilà mon mboka tokozwa
message oyo avant tout katisa na sujet oyo to rejoindre nos messages oyo écoute ko komela biso wa epaya Florimo Mutebaz o azali PCR ya ODEP alobi boye l'exécution du budget 2023 fin mai le gouvernement aura mobilisé 3,2 milliards de dollars pour atteindre 16 milliards de dollars fin décembre. On devrait avoir mobilisé déjà 6,5 milliards fin mai et 7,8 milliards fin juin. Il faut s'attendre à un cap de 4 milliards au moins. Un budget rectificatif s'impose pour adapter nos immenses besoins aux véritables recettes potentielles. Lilo Oyo, budget Mboka Lonenkani Zalaki, présenté à l'Assemblée nationale après examen nakati ya commission ECOFIN ya Assemblée nationale et qui a été publié to mobilisé budget à 16 milliards mais 16 milliards to komi na fin mai to li non a 3,2 millions où ils allaient mobiliser est-ce que to komi na 16 milliards moi na mboka na fin décembre Ndeko Olivier nga personnellement na partage ka esprit ya pessimiste en matière économique ya mboka na ngati. Tant que tu as 16 milliards, il y a eu d'abord Sony. La RDC discutait sur un budget de 16 milliards. Il y a Sony. On doit avoir honte. Mais bon, quand cela ne tient, tu as Koloba par rapport à la réalité. 16 milliards. Il y a Limbongo et Bélé. Tu as Koko Kako atteindre Yangote. Nalinga Kinandima. Nazwa ba proposition. Il y a Kome Mabisopo. Tu as 16 milliards. Parce que manager. Moussala na yalini et ali kozala kozwa ba opportunité ou soit ba menace ba défi à transformer yango na ba opportunité ça veut dire l'impossible ya transformer yango na possible awa mutunyo soa komona ke 16 milliards république démocratique du congo akoki kokokisa yango te maintenant ko yebisa yo mbongo yali ko tringaler na kati économie informelle ya république démocratique du congo. Ce qui est canalisé yango, mbongo ako kende na ba poche mabenga ya batu. Ce qui est canalisé yango, na caisse ya trésor public, 16 milliards wana yali mouke. Mais na lingi, ndeko na biso, ya ODEP, observatoire, ya dépenses publiques, moussala ou bango pe basala ka ya analyse, et yali pe malam, parce que sengeli esunga pe, ba dirigeant. Pour er moko dirigeant, kosa la lali mwa pongi. Yé à la mouissie. Et puis, wana, a outiko, l'obélo, comment ko isa légal. Na, kati a loi de finances, na biso et l'obami boy. Tant que ba paramètre et kota ki, na, élaboration et budget, et ali ko bouger, et bouger moins d'ambre. Et sengeli, dans les 6 mois, parce que koki ko sa la haut, toi ko benga, ko revise, hein, budget, na kati ya ne, okoki ko sala yango ke à partir ya 6e mois ya loi ya finance ya loi budgétaire ozomona. Donc la loi rectificative ne peut arriver que 6 mois après lokola tolingi to kota mois de juin et que tu prévoyais ki ke to atteindre 7 milliards na mois ya juin mais ti sikoyo to réaliser kaka 3,2 milliards c'est normal. Kende Konabiso ya observatoire, ya dépenses publiques, a rappelé na gouvernement que par rapport na ba paramètre oyobino bouchaki, tozan à mesure ya ko atteindre 7 milliards wanati. Mais, esengeli to revoir budget wana, réellement, tozongi sa yango quand même menacé par rapport na ba paramètre. Mais nga na zolo, de la même façon ba paramètre wana, oyo, et sali que, to kitana 3,2 milliards au lieu to koma na 7 milliards. Et c'est que to transformer yango poto longwa pe na réalisation ya 3,2 milliards na 6 mois ou yali ko ya to réaliser pe 7 milliards et ali pe réflexion. Yali possible. Et ali pe possible. Donc ba proposition pe au-delà ya correctifier loi wana ce qui est techniquement réel mais aussi il faut que nous réfléchissions sur comment tokoki ko komisa mbongo wana pe 16 milliards et na ko rappeler awa pe esengeli ba kongomani pe ba yebaka tango ba ko loba 16 milliards 16 milliards nyonso ya ko uta na kati ya mboka kongote
budget oyo ya l'état, ça veut dire au niveau intérieur financement nango mbongo nango et ako uta na kati ya Congo eza na valeur ya 12 milliards 4 milliards et ako uta libanda et ni koloba nini to ali na ba partenaires bilatéraux multilatéraux au biso to négocier kana bango to kenda ko zo mbongo to zo akape mwa mbongo ou to ako benga Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque africaine de développement, ba partenaire wanape, rubrique na bango, et ali na valeur ya 4 milliards. Et puis 12 milliards, et ali au niveau interne. Il faut si ko total na kati wana. Est-ce que ba fonds o esengela ki to mobilisé par exemple pour ya ba partenaire na miso? Est-ce que to mobilisé ki yango? Est-ce que yango de contribuer pe? Que tous allons baisser, il est singulier pour toi et pour nani ni toi atteindre 7,4 milliards et à moi à jointé, mais tous en a 3,2 milliards. Bah question on a nyonso et singulier pour biso ensemble dans le gouvernement. C'est le moment où le gouvernement est singulier pour à répondre. Namutuna ou ça dans la proposition il y a des conabiso et à ODEP pour nous expliquer pour bah Congomani pourquoi de totaliser 7,4 milliards. Quels sont les paramètres où il est bougé, où il s'agit que tout atteindre budget wana il y a 6 premiers mois, il y a valeur il y a 7 milliards. Voilà, motuna moko esali kaka na bandi ete lelo oyo to ebi ete na kati ya budget mboka na biso moi partie où t'as qu'un extérieur et pas y a pas tout Monibad Banque mondiale les restes y a pas de partenaires financiers République démocratique du Congo les lo oyo le lingue kani opposition ben n'est déjà qu'au Senga était bah partenaire wana bâti qu'à financement bah y a qu'au ça d'abord audit sur ce qui était déjà fait et sur ce qui est versé dans le trésor public les lo aussi bah partenaire wana bah kati financement na bango. OK, biso moko na nko mobiliser mbongo pour que to koma au moins na 12 milliards ngo to zano no lelo ko atteindre non ata 7,4 milliards te sur les délais mais lelo so ba partenaire ba kati mboka oyo to suka ba na mboka. Yango wa komona ndeko politique na économie etambolaka ensemble. Wa komona bandeko oyo lobi bandeko opposition ba sengi ba partenaire ba kata mais na kotuna ba perdant et ali banani et ba congolais et ali peuple opposition ali na peuple ou bien ali na peuple té majorité ali na peuple toi ali na peuple té parce que mbongo ezali ko bima oyo ezé ou ta kay pa ba partenaire ezo kende détournement sur détournement vaut mieux Maïwane Katananan, audite salem, bongo, refinancement, et zonga na katia. Et sengeli comme on a des journalistes, et tamo toa ko lo baba katawana. Et ali misala ya batu. Et ali ba bénéficiaire et belé. Ba ali na katia ba financement ya ba projet wana. Et estimation ya Banque mondiale par exemple, à la kisaki ke plus de 600 000 bénéficiaires. Et parmi ba bénéficiaires wana, ali ba projet belé. Ou à comme on a par exemple ba ebisio bana basio ba violer bango na est de konabiso docteur Muyembe au travers hôpital naye et sengeli a recevoir moi fond moko na kati wana ya ba financement ou ya ba partenaire wana ekende pona ko soigner ba mama wana ou ba violer bango metan to a ko senga ba kata est-ce que tolingi pe batu wana ba mama wana bakufa wa ko mona ke tango to ako senga pe ko kata wana e sengeli pe to ya la réfléchi to ko kipe ko senga audit ba continuer ko financer mais en même temps en mettant des mesures oyo e sengeli contrôler ezala mais en même temps ko contrôler pe oyo ezobima na oyo ebimaka e sengeli ensemble avec le gouvernement Mokonzambo kapé ensemble avec l'IGF pour sanctionner sévèrement batu oyoba kolia mbongo ya l'état oba ko détourner parce que osa ko imaginer muto ko détourner mbongo et sengele ke n'est pas ba victime ya violence sexuelle
est-ce que mutuana a ali penza na bolingo ya mboka muto ako détourner mbongo et sengele kende na construction en zela nzela oyo esengeli et permettre batu économie village peut-être mobimba province mobimba et vivre et créer misala yango biso to lobaka même na kati économie muto ako zwa décision économique ya mabe ali plus dangereux que médecin. Médecin a ko boma mutu moko asaleli thérapeutique ya mabe a pesier mutu moko akufi. Mais économiste a ko zwa décision ou a ko yiba $200,000 ou eza réservé et qui n'est par exemple na ko soigner ba maman. A bomi 50 maman. Mais médecin a bomi mutu moko. Donc mutu oyo a ko yiba mbongo ya loué économiste ali plus dangereux soka za ko zwa décision ya mabe na kati économie plus que un médecin yango a ko mona ke mokoza mboka doit travailler là-dessus opposition ali pe wana ali enemité opposition et sengeli pe opposition a za l'opposition moko constructive opposition ali ko et sengeli to ko mape na ba niveau wana ba économie obiso to a ko envier ba ali pe bongo bali ko proposer opposant à koya na programme opposant à koya na idée soki na ko critiquer oyo nga na na proposition boy oui. Proposition na ngai oyo eleki oyo ya bino a ko pesa mayele pour que gouvernement a mekapé ko améliorer ba condition donc muto a ko yiba mbongo soki opposition a ko réclamer que bakata nga je ne suis pas vraiment d'accord côté wana. Mais c'est qu'il faut sanctionner pe na niveau ya gouvernement ko tala batu oyo ba ko meka ko kota na mbilinga mbilinga na kati ya mbongo ba partenaire ba ko pesa biso ezali image ya mboka nde ko beba mais aussi touti kapé ko compter mingi sur ba partenaire technique et financier et sengeli to compter na na mbongo ya biso moko yango biso to pronaka toujours ngai moko na ko prôner fiscalisation et à secteur informel. Donc, formalisation et à secteur informel, économie en boc est allée plus de 98% dans le secteur informel. Et l'ingi kolo bananzela, l'État allée pour gagner l'autre côté, moutoua pour réaliser bénéfices. Alors que dans Katiwana, c'est prévu que l'État a zwa kaka 30 000 francs. Na Katia bénéfice, na yesoka allée na activité et allée na moins de 8 millions de francs congolais à chiffre d'affaires. L'État a un droit à 30 000. Mais où est-ce que tout combien de petites et moyennes entreprises dans la carte de Kinshasa? Oui, l'État a causé l'autre côté. Oh, l'État a causé l'autre côté. Et il y a un bon. Et il y a un budget. Recette et un budget, il y a un bon. Il y a un coquin qui a 16 milliards. Et il y a un coquin qui a mobilisé un côté. On va acquiser, surtout les entrepreneurs et les autres, on va acquiser l'État, les taxes et l'État qui facilite ma cambote pour que Bango va évrer. Est-ce que l'État a causé la possibilité de normaliser secteur informel, secteur entrepreneuriat, secteur investisseur pour que au moins, et à la auto kobenga lelo oyo contrat gagnant l'État ko récupérer ba investisseur ba entrepreneur puis ba ko gagner mon mboka. Effectivement, il y a une normalité et sengeli ekota. Tracasserie pe ali tant mon mbongo ya iko ke na poche ya moto. Et ali ko kota na caisse à l'État. Mais kaka biso moko pe peuple toi ko réclamer pa ya l'État a salé la biso. L'État talé la biso boy. L'État donc et sengeli contrat social ezala entre l'État na peuple. Peuple pe a la responsable à comprendre que nous allons construire. Et c'est un peu sacrifié. Ce qui est un peu échangé. Et c'est un peu de sacrifice. Le pays est un peu envié. Il est sacrifié. À la fois le dirigeant, mais aussi le dirigé. Donc le sacrifice de tout le monde qui va faire en sorte que tout le monde est libre. Et puis fiscalisation et secteur informel. Et ça, le plus tôt possible, nous allons fouiller mon corps. Parce que j'ai participé à la campagne à sensibilisation, il y a coordination pour les changements des mentalités. J'ai vu, j'ai vécu des choses. Ba maman, ou ako sololana maman, maman ako ye bisayo, na pe sa ki moutou moko mbongo ao, a ye langa dokima ako ye langa te. Alors que maman pe a ye bite, ignorance ya maman, maman a ye bite ke ba pe sa kambongo, et pa ya janté, et sengeli a kende na banque. C'est que l'État et sengeli a tcha en place ba stratégie,
Oyo esengele longola d'abord batou na ignorance, mais aussi rapprocher les administrations fiscales vers ba mama wana. Esengeli te ke mutu po afuta moi 30 000 na ye. Esengeli a longwa place na ye ya musala akeiti na gombe ake ko vanda pendant peut-être 2 ans 3 heures afuti pété azongi alors que ye a ko viser ko réaliser activité na ye po azwa profit. Mama wana ako sani mutu agent soka ye a proposé ya zui a pesiye a salye confiance alors que agent azui mbongo wana a tchena mbenga na ye akei. Et wana za ba réalité des terrains au bisoto viva ki en tant que des sensibilisateurs. Donc wa ko mona ke fiscalisation à secteur informel et ko sunga biso pour que ba caisse ya l'état ils a la renflouer et puis et lo koneti 16 milliards et koka qu'on a réalisé. Et puis, dans un exemple, il y a un terrain. Les lots sont déconnectés. Impôt haut, il y a un impôt sur les revenus locatifs. Vous voyez qu'il y a un kishasa. Ce qui est un impôt sur les revenus locatifs, il y a un payé. Je ne sais pas si il y a un gouverneur à Koloba. Bonne réalité. Qui est un peu de temps, ce qui est un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. 12% est dit budgétaire et à Koloba, 12% y a loyer et Sengeli est revenir dans le gouvernement provincial. Mais tout n'a pas budget, il y a ville à Kinshasa et Ali combien? Alors que recette et Ali, il suffit que Ndaku Nyons tout travailler ensemble avec le gouvernement provincial, avec le ministère chargé à l'habitat, dans l'urbanisme, pour que contrat y a location. Oh ya ko salema de gré à gré et salema les sous de gré à gré té et sengeli traçabilité ezala et c'est comme ça en se sacrifiant ensemble ndeto ko tonga mboka qui chassa oyo et ko za la peine à 5 10 milliards de dollars ya yango moko au travers ba recette neti impôt sur le revenu locatif mais aussi impôt foncier. Voilà, moi na mboka na bandi ete to komi na biso presque na suka mais na kati ya sujet oyo to ko aborder na kati ya situation sécuritaire na bandi na linga ka otia moi liloba par rapport ya prorogation oyo ba uti ko sala awa e pa bande ko na biso ya EAC aussi longtemps que RDF na M23 ba seli coalition pour ba attaquer Goma Gome Kwea prorogation ba pousseli et EAC mandat tina 8 septembre aussi longtemps que population elle ko senga déjà départ ya EAC situation on a yo moni ngou boni boni mona mboka de ko tango to bandaki ko analyser pe question sécuritaire o ya mboka na biso to ya ko loba solution ya insécurité na kati ya mboka na biso ya ka na aspect mon côté et ko uta ka côté mon côté solution ya li holistique. Il y a une solution d'ensemble, à la fois au niveau diplomatique, à la fois au niveau local, national, mais aussi régional. Tu as les membres à EAC. Tango, tu sollicites qui? Étant donné que la situation sécuritaire est là, et il y a une conséquence au niveau de la RDCT, et il y a une conséquence au niveau de la région. Le coup, tu as les membres à la communauté, force régionale et Tchamaki. Président de la République a salaki confiance na force wana. Mais après toi ko monake force wana a ko kokoka makambo na terrain té. Ba ko soupçonné même d'être complice avec le M23. Monaki ba faute tambola ki ba ko yambana na ba rebelle ya M23. Yango solution régionale et alipé importante. Mais to ko konté kaka na solution wana té. Et sengeli pé na mitu na biso en tant que ba congolais to meka ko comprendre que solution penza makasi ya est ya solution ya mboka ya est na biso insécurité wana et ali d'abord likambo na biso moko ba congolais et ali na force régionale wana te yango akomona esengeli to militariser ba action esengeli loi ya programmation militaire ou na lobaki awa to accélérer mise en œuvre nango yango akomona ke mobilisation ya recette et ali obligation esengeli mombongo ezala parce que pona ko gagner pe guerre esengeli pe mombongo ezala esengeli ba soldats baza l'équipe yango akomona ke prorogation wana et ali décision oyo ezwa me pas
gouvernement congolais et à la décision d'ensemble après sommet où il y a un chef d'État qui était représenté par le ministre de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, où il y a une décision. L'État congolais a présenté que Venaye et Singeli, force wana émis retiré. Mais évaluation est que ça, les mois de juin. Parce que tant que vous bayaki, ils ont demandé, vous avez demandé, les lois de bayaki, vous avez côté. Et vous avez fait la procédure. La procédure, vous avez fait retrait. Ne memi bisopé ti na mois août. Donc, na juin au ba ko sa l'évaluation et puis les 8 août je crois ne essengeli ba mi retiré définitivement na kati ya mboka. Mais ekoki pe ko zala. Ba ko ki pe ko mi racheter par exemple en attendant to atteindre par exemple les dates wana et que force régionale se comporte différemment de la manière où tu as soupçonné Bango. Parce que awa, les vérités se sont dites dans le cadre du sommet. Wana. Ce que tu as dit dans le cadre du communiqué, la RDC est restée ferme. Quand tu as dit qu'il y a un dialogue avec les rebelles, la RDC a boyé Bango catégoriquement, a lingué dialogue avec M23T sans que les M23 ne déposent les armes. Donc, tu as dit qu'il y a un retrait. Il y a bah, M23, Bango, Balini qui a retiré, Bissopé, Koto, toi, qui continue, et c'est qui continue pour renforcer l'armée de Bissot pour que tu aies maintenu la sécurité au Ezali. En attendant, toi, attaquer pe Bango, toi, mais tu déloger Bango. Et la responsabilité, on a beaucoup plus dans l'armée de Bissot qu'à l'armée de la force régionale ou bien à l'armée étrangère. Donc, on doit compter beaucoup plus. Sur notre armée et on doit l'équiper avec de moyens logistiques mais également de moyens financiers conséquents pour tout le monde qui est ennemi dans le territoire national d'Abisson. Voilà, les gens qui ont été en train de se faire presque en train de se faire, ils ont été en train de se et Paiwapi, le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, qui est avant-hier, hier à Salim Salanaye, les lois et Zalaki Bongo conclusion, et Paiwapi a signé le protocole d'accord, et en plus, Zalaki en présence, il y a chef de l'État, la cité de l'Union africaine, il y a ministre, ministre de la Justice, premier ministre Jean-Michel Samalokonde, les deux représentants à deux chambres, et puis il y a Ndegomoussou sur la magistrature. Bongo Lobby, crime à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi dépose une plainte à la CPI contre la coalition RDF-M23. Nous demandons à la justice, nous demandons justice pour les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur notre sol en 2022-2023. Selon le propos Oebimi, quand il y a porte-parole, il y a chef de l'État, il y a Bongo Tina Salama, après qu'on signe l'accord Oe Salami, il y a cité l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Les lois Oe Togui, il faut s'attendre à Nini après et plainte Oe RDC est portée dans le CPI. En fait, il y a d'abord félicitations dans le gouvernement et à Nicolas Gisak, gouvernement. Ayali Penza préoccupé dans le Kambouana, faire venir président de la Cour pénale internationale dans Katia Mboka, aïe, et à la communauté internationale, aïe dans Katia Mboka, tout signé, tout déposé pe plainte, andimi pe yango, et l'ingi koloba, bande konabi sotango ba koloba droit de l'homme, et sengeli pe biso, ba tout au comprenaka. Droit de l'homme, wana et ali composé. Il y a deux types de droits. Au bout du droit humanitaire, tu as un droit ou tu as un droit socio-économique et culturel. Donc, tant que tu as un salim, tu as un école, tu as une classe, tu as une violation des droits de l'homme. Tu as un droit à l'éducation. Tu as un droit à l'habitation sain et ni kolobani ni logement tango batuba akokima
okukuta ba yebisayo 500 000 personnes ba déplacées ba na banda kuté et ali violation des droits de l'homme habitation exalité et ali na droit à la santé et ni koloba ba soins de santé singele za ya malam mais tango ba tuba kokima na bitumba parce que M23 a koti RDF a yé abomi ba tuba kimi et ali violation ya droit de l'homme. Donc wa komuna ke droit de l'homme et ali munene et il faut réprimer ça tango ba koloba pona ko réprimer et singele cour pénale internationale ba crime o eza commis par batwana et singeli communauté internationale au travers organe au toa kobenga cour pénale internationale au Italie makambo ya justice ameka koluka ba responsable ya makambo wana et puis kokanga bango wa koyeba ke Jean-Pierre Bemba ndeko na biso akangama na CPI avant ya kozala libéré pour nani ba soupçon na ye na makambo ye akendaka appui à Kenda Kosala, je crois, soukina, na Soudan, soukina, na RCA, République Centrafricaine, à Kenda Beta Bané, Belé, na Katia CPI, wana. République Centrafricaine, à Kenda Beta Bané, Belé, na Katia CPI, wana. Bosco Tangana, Bakangaye, à Kenda Pé, na CPI. Donc, ces gens, ils ont pression Pé. Et ali Pé, mécanisme pour na, n'est-ce pas, que la solution, il y a guerre, na Est, et ali solution, mon corps, holistique. Et c'est ensemble, à la fois guerre, toi, Kosala, à la fois ba plainte peu autoqué ko déposer wana esengeli ba arrêt donc ba chapenda arrêt mandat d'arrêt international pour na ba responsable ya ba biloko wana nyonso pour que ba twana ba meka ko répondre devant justice internationale et puis ba sanction équita pe et pas ba tout au ba ko soutenir bango ba auteur intellectuel qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui Paul Kagame. C'est Paul Kagame avec son régime, de baza ko attaquer République démocratique du Congo. Et normalement, petit à petit, il devra répondre devant la Cour pénale internationale comme auteur intellectuel et à Babilo Kowana. Voilà, Nabandi était Lelo Oyo, Paul Kagame. La République démocratique du Congo est saisir ces pays déjà pour la situation écosalema na Est et en Mboka na Biso, ba RDF, ba M23 et toko kene nango mosika parce que to saisir yango déjà pour na bandeko wana nyonso. Pourquoi pas toko saisir pe le président ya Cour pénale internationale o azali Karim o azali bongo na kati ya République démocratique du Congo to porter plainte contre toko loba yango clair to bomba yango toko marcher ba moté to porter plainte contre Kagame ces pays et kanga Kagame na ba crime de guerre ko sala ba crime contre l'humanité o ya ko sala na partie est ya mboka na biso na bandi ete message ali lancer lelo oyo communauté rwandaise nyonso boko eba ete RDC a porté déjà plainte contre votre président Paul Kagame et tozali prêt bino boko bundisa biso bino boko sala ba atrocité boko sala ba agression mais biso to porter bino plainte par rapport ya mabe o boko sala na partie est ya mboka na biso na bandi ete mona mboka esengozalaki mingi ya koyamba invitation na biso ya koyana mokolo mwa lelo na ndio botondi bona mboka ngande na kotonda yonde ko na rappeler yo que je reste toujours disponible pour na ko répondre na invitation na yo parce que esengeli mboka oyo ndenge na ko loba chaque fois changement esengeli ezala et changement wana po ezala eza ensemble biso na bino ba jeune na ba mikolo Toali, ba ennemité. Et puis, République démocratique du Congo, ba Congolais, ba ali, ba ennemi, ya ba rwandete. Il faut toujours rappeler ça. C'est Paul Kagame, nde moutou, ali responsable, ya ba makambo nyonso. Ou a ku imagine que, bien que tout comme na souka, que zone ya libre-échange continentale africaine, et ala ki lancé. Réflexion nango, signature, adhésion, Zlekaf, bah pour bien Zlekaf na français, zone de libre échange continental, les lingi koloba es, tout lingi tout créé que Afrique bah tout bah tambolaka, sans bah visa, bah tout bah tambolaka, na bah biloko na bango, kokende kote ka olongwe na biloko na oké na Rwanda, oké na Burundi, oké na Maroc, et puis wa ko futa taxe té, ils ala ki lancer, et pas ya Paul Kagame. Mais Paul Kagame wanande a ko contraindre batuna bitumba.
place à Bitumba, est-ce que vous changez Bilo? Et Aline tu as contre zone de libre-échange continentale africaine. Il y a un autre à Koloba que les Rwandais et les Congolais ne sont pas en conflit, mais le régime de Paul Kagame, il y a un autre qui a impulsé pour attaquer Bisso. C'est comme ça que il y a toi qui a Bissaye. Que finalité, il y a à quoi répondre. Voilà, à quoi répondre la finalité na ye parce que lelo oyo RDC a tient déjà ma batterie na ye en marche Paul Kagame na ces pays to kozela to mona ba photo to kozela to mona ba vidéo Paul Kagame a quoi répondre na crime contre ba crime de guerre ba crime contre l'humanité ko sala na partie est ya mboka na biso na bandi et ezali moka ko soit félicitations na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et félicitations na ministre ya justice madame Rose Mutombo na lolenge kani impulsion we salami to kozela to mona impulsion wana ekende monsieur Karim Yamba Paul Kagame na CPI biso congolais ba congolais nyonso to kobeta maboko po to moni ete communauté internationale pe et répondre République démocratique du Congo na bandi ete bozala ke belé ya kolanda biso na mokolo mwalelo et koyamba mwana mboka Gustave Chibangwa Zali Bongo assistant na université de Kinshasa Unikin Zali Bongo spécialiste et expert en économie et Mayele Bongo et vandi expertise ya makasi ezali awa na bandi ete mwana mboka na moka ko soigner so ngana ko zela yo ko mona yo ministre ya économie même ata na mandat ya 2024 elika ezali na bandi ete bozala ke belé to tika botika la malamu na mabota na bino to kutana mikolo ezali koya. OK, merci. Thank you.